Hey, on est connecté ou on l'est pas, hein? Venez, Jean-Gabriel, je vous en prie. Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit un conférencier qui vient. Alors, vous l'appelez comment, votre engin? Prenez le micro, c'est mieux. On peut dire un gyropode monocycle électrique ou une roue. Et les jeunes, ils disent une wheel. Voilà. Ah oui, donc vous êtes venu sur votre wheel et nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, pour vous présenter, bien dire que vous êtes professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Vous menez des recherches sur l'intelligence artificielle au laboratoire informatique de Paris 6. Tout ça, c'est vrai ? Alors, c'est presque vrai. Presque. Ah, parce que l'université Paris 6 n'existe plus. Ah, pardon. Et on appelle ça Sorbonne Université parce qu'elle a fusionné avec l'université Paris-Sorbonne. Mais vous avez raison, c'est que nous avons gardé le laboratoire d'informatique de Paris 6, donc le laboratoire d'informatique d'une entité qui n'existe plus. Bon, c'est pas grave, on continue à travailler. Alors, vous êtes né un peu par hasard à Limoges. Non, pas par hasard, puisque vos grands-parents y vivaient, mais vous n'êtes pas resté longtemps, très longtemps à Limoges. Vous avez fait des études à Aix-en-Provence et vous avez fait des études d'ingénieur, puis de philosophie. Puis vous m'avez dit de philosophie un peu en cachette de mes parents, quand même. Pourquoi ? Mes parents voulaient que je fasse quelque chose de sérieux. Et donc, et ils m'ont fait faire des études d'ingénieur. Moi, je rêvais de faire de la philosophie. Alors, j'ai fait un peu en cachette parce qu'ils trouvaient que je perdais un peu mon temps. Et ça vous a aidé après pour la suite Je pense que le mélange des études d'ingénieur et de philosophie est tout à fait essentiel pour la suite de ma carrière. Alors, vous avez soutenu en 1983 une thèse de docteur ingénieur à l'université d'Orsay sur les systèmes à base de connaissances et une thèse d'État en 1987 sur l'apprentissage symbolique automatique. C'était passionnant ? Moi, je trouvais que c'était passionnant, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage machine. C'était un versant particulier, mais qui est très développé de nos jours. C'était les tout premiers en France, c'était effectivement les premiers travaux sur le sujet. Alors, cette salle, vous savez, s'appelle la salle Hubert Curien. Ça vous rappelle quelque chose ? Pour moi, c'était émouvant parce que j'ai croisé Hubert Curien. Bon, c'était le ministre de la Recherche, on le voyait de très loin, bien sûr. Et puis, quand j'ai eu ma thèse, j'ai été nommé professeur. Et là, effectivement, j'ai croisé plusieurs fois Hubert Curien. Et en particulier, il s'est intéressé aux sciences cognitives. Et je travaillais un peu dans ce secteur. Et il réunissait des scientifiques au ministère de la Recherche pour discuter de ces problèmes, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était et comment est-ce qu'on pouvait structurer le paysage de la recherche dans ce secteur-là. Et après, donc, il m'a fait le grand honneur de me demander de créer un, voilà, c'est ça, un programme de recherche en sciences cognitives. Alors, ça, c'était en 1993. Puis, vous avez dirigé le groupement d'intérêt scientifique sciences de la cognition au ministère de la Recherche, alors qui réunissait plusieurs organismes partenaires, le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INRETS. Et vous y avez travaillé de 1995 à 2000. Vous êtes membre depuis 2015 de l'Institut universitaire de France, membre du directoire du MUR. Alors je me dis, le MUR, c'est quoi ? C'est le mouvement universel pour la responsabilité scientifique. Et vous êtes membre de ce directoire depuis 2004. Et c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est la première fois, moi, que je découvre. Effectivement, le MUR. Pourtant, il y a pas mal de scientifiques de grands talents. Président du MUR, ça a été pendant longtemps Jean Dausset. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même un prix Nobel de biologie, de médecine. Et aujourd'hui, le président, c'est Jean Jouzel. Ah oui, qu'on connaît bien. Il ne nous en a pas parlé, Jean, la dernière fois qu'il est venu. Il est venu il n'y a pas longtemps. Vous êtes membre depuis 2015 de l'Institut universitaire de France, membre du directoire du MUR, je viens de le dire, président du comité d'éthique du CNRS. D'ailleurs, un comité d'éthique qui produit chaque mois des chroniques éthiques, c'est ça ? Alors, il y a deux activités différentes. Alors, il y a le comité d'éthique du CNRS, qui est un comité de réflexion sur les questions éthiques, éthique de la science, c'est à la fois l'éthique de la science qui se fait, du laboratoire, mais aussi les questions
d'éthique posée par les applications des sciences. Et dans ce cadre-là, nous rédigeons un certain nombre de rapports, hein, qui nous prennent du temps d'ailleurs. Ouais. On est 13, plus quelques personnes extérieures, et c'est composé à parité donc, à la fois d'hommes et de femmes, et de représentants des sciences dures et des sciences de l'homme et de la société. On essaye de couvrir tous les champs du CNRS. Et vous êtes sollicité, comment est-ce que ça se passe? Alors, sur tel sujet? On peut faire deux choses, on peut soit se saisir nous-mêmes d'un certain nombre de questions, soit être saisi par la direction du CNRS ou le conseil scientifique du CNRS ou le conseil d'administration du CNRS sur différentes questions. Alors on a travaillé sur des questions d'intégrité scientifique pour essayer de voir quels sont les problèmes que ça posait, par exemple sur le problème du plagiat, sur les problèmes du harcèlement, sur les problèmes de partage de données. Et puis on peut aussi bien sûr travailler sur des questions plus scientifiques ou sur des questions actuelles. Par exemple, on a travaillé sur la question des fake news. Quelle est la posture des scientifiques dans un monde où apparaissent des informations qui sont fausses, en tout cas qui ne correspondent pas du tout à ce que les scientifiques concluent, hein, et sans vouloir bien sûr se draper dans une posture d'autorité. Il paraît notre devoir d'expliquer au grand nombre quels sont les résultats de la science et en quoi bien sûr c'est contraire à ce qu'on dit. Voilà, ça fait partie des questions où on travaille par exemple sur la question de la recherche à l'international, à la fois la difficulté qu'ont les chercheurs qui vont à l'étranger dans des pays en guerre à se positionner, vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas cautionner le régime, hein, ou des régimes qui ne respectent pas le droit de l'homme, ils ne veulent pas les cautionner, et en même temps, il faut qu'ils se réagissent, et en même temps, il ne faut pas qu'ils mettent en danger leurs collègues. Et donc, voilà, c'est pas simple. Alors, vous disiez deux choses, donc, venez de nous décrire, et puis vos chroniques éthiques. Les chroniques éthiques, tous les mois, dans la recherche, j'écris une chronique sur des questions éthiques différentes. Éthique de la science, bien sûr. Alors, vous me disiez, j'ai vu que vous aviez écrit le mois dernier, au mois de février, une chronique sur les bébés du futur à la suite de l'annonce des manipulations génétiques sur les jumelles, les cellules germinales. Alors, il se trouve, et je vous disais, il se trouve que j'avais été sollicitée par un professeur du CHU de Rennes pour organiser la saison prochaine une conférence sur ce sujet, justement. Donc, c'était très intéressant d'avoir votre chronique là-dessus. Puis, on y reviendra peut-être tout à l'heure à l'issue de cette conférence. Votre toute dernière chronique touche complètement le sujet de ce soir, avec un côté un petit peu décevant quand même, hein, par rapport à l'Europe. Mais on y reviendra dans un instant. Vous avez écrit des livres grand public, dont le premier est L'âme machine, qui est paru au Seuil en 1990, avec en sous-titre Les enjeux de l'intelligence artificielle. Et ça répondait à une espèce d'enthousiasme. Ah, l'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est génial. C'est ça? Et déjà, vous mettiez en perspective des inquiétudes, des réticences ou pas? Oui, tout à fait, mais disons que j'avais peu l'idée des conséquences problématiques de l'intelligence artificielle. Oui. Je voulais faire une réflexion plus épistémologique sur la nature même de l'intelligence artificielle en expliquant qu'il y avait à l'intérieur de la discipline différents courants qui avaient une conception de l'intelligence différente. On peut le dire en termes philosophiques. Il y a des gens qui étaient plutôt leibniziens, c'est-à-dire qui pensaient que tout s'opère par calcul à l'aveugle en faisant de la démonstration automatique. Puis des gens qui seraient plus cartésiens avec l'idée qu'il y a une espèce d'évidence de compréhension. Enfin, je pourrais bien sûr passer beaucoup de temps là-dessus. Mais à l'époque, effectivement, je pensais que nous étions des chercheurs dans nos laboratoires et que ce que nous faisions était tout à fait gentil, qu'il n'y avait rien de mal. Hein. Et je me suis préoccupé des questions éthique que bien plus tard. Alors, un des derniers, je vais parler du dernier tout à l'heure, mais un des derniers, c'est celui-ci, le mythe de la singularité, qui est aussi en résonance complètement avec la conférence que vous allez nous proposer, Faut-il craindre l'intelligence artificielle? C'est un livre absolument
passionnant, à mon avis essentiel pour comprendre beaucoup, beaucoup de choses concernant cette intelligence artificielle, ce qu'elle nous promet, ce que l'on peut craindre, voilà, etc., etc. Vous en parlerez tout à l'heure. Et puis, il y a eu aussi celui-ci, l'intelligence artificielle vers une domination programmée, paru chez Le Cavalier Bleu. Les deux sont parus en 2017. Alors celui-ci, je viens de l'avoir seulement, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Je peux commander, parce que en réalité, c'est la réédition d'un livre dont j'avais écrit la première version en 2007, et oui, je l'ai doublé de volume. Alors, c'est une collection qui s'appelle « Les idées reçues ». Et il s'agit de répondre à des questionnements ou même à des affirmations que l'on voit prononcées partout. Alors, je vais en donner une. Hein, par exemple, les voitures autonomes sont programmées pour tuer leurs passagers. Donc, j'essaye d'expliquer pourquoi. Ou il faut donner des droits aux robots, etc. Alors, il y avait aussi celui-ci. Vous avez servi de plus. Vous avez été conseiller scientifique sur ce livre qui a été écrit par un journaliste scientifique, Jean-Philippe Braly. Un livre paru aux éditions Quai. Et puis, alors, le tout dernier, c'est sans doute le plus original, puisque c'est votre premier roman. Tout à fait. C'est votre premier roman. Ce matin, Maman a été téléchargée. Alors, il est écrit sous un pseudonyme, Gabriel Naège, mais enfin, si on connaît un petit peu les anagrammes, on comprend tout de suite de qui il s'agit. Il est paru chez Buchet-Chastel. Je l'ai lu. Il vaut mieux pas télécharger une mère pareille, hein. Parce que, alors, franchement, déjà, les mères, comment, possessives dans la vie courante, c'est pas marrant. Mais alors, en plus, quand elles réapparaissent dans un autre corps, après leur mort, waouh, oh, c'est un livre assez... Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ça à travers un roman ? Parce que dans le mythe de la singularité, j'ai essayé d'expliquer de façon rationnelle les insuffisances, disons, les apories, hein, ou pour le dire plus simplement, hein, la faiblesse des arguments des tenants de la singularité. En tant que scientifique, hein, pendant longtemps, j'avais hésité, puis je me suis rendu compte que c'était un peu mon devoir, parce qu'il fallait expliquer pourquoi ce que prétendaient des gens extrêmement importants, hein, j'en parlerai tout à l'heure, n'était pas fondé. Et puis, ensuite, je me suis dit, oui, mais il y a peut-être autre chose. Qu'est-ce qui se passerait si ça advenait ? Et là, il y a une question, c'est plus éthique, c'est plus sensible, et ce serait un cauchemar. Alors, c'est un vrai cauchemar. Il s'agit de métempsychose numérique, la réincarnation d'une âme dans un autre corps ou d'un esprit dans un autre corps. Et Michel, mère possessive ô combien, qui pourrit la vie de son fils Michael, qui est quand même pas un bébé, il a 34 ans le garçon. Hein. Voilà, c'est assez intéressant. Bon, allez, on revient aux choses sérieuses, de l'intelligence artificielle à la singularité technologique. Voici le thème de cette conférence. On vous écoute, on vous retrouve ensuite pour les questions et je suis sûre que nous allons apprendre beaucoup de choses et passer une excellente soirée. À tout à l'heure. Installer ma zapette. Voilà. Alors, de l'intelligence artificielle à la singularité technologique. Alors, peut-être vous ne savez pas exactement ce qu'est la singularité technologique, hein, et je vais l'expliquer tout à l'heure, et je vais essayer de faire le lien avec l'intelligence artificielle. Mais peut-être en préambule à cet exposé, je voudrais passer un transparent, hein, qui va évoquer un certain nombre de grandes figures, je l'ai dit tout à l'heure, d'autorités du monde contemporain. Et pendant longtemps, donc, j'ai entendu un certain nombre de gens qui parlaient de ces projections sur le futur tout à fait surprenantes qui étaient liées au développement de l'intelligence artificielle. Alors, certaines, je les trouvais amusantes, stimulantes, hein, ça relevait de la science-fiction. Mais ensuite, quand c'était des collègues, j'étais un tout petit peu plus mal à l'aise. Et je me souviens qu'en 80,
19, je crois, il y a eu un scientifique qui s'appelait Hugo de Garis qui avait été interviewé par un journaliste du Monde et qui expliquait que les machines allaient nous dépasser très bientôt et qu'il fallait absolument l'arrêter parce que c'était dangereux. Alors, je crois que c'était un peu farfelu, hein, des collègues au laboratoire étaient vraiment énervés. Et ensuite, je suis allé faire un exposé à une école, dans une école d'ingénieurs, peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, c'est l'école supérieure de physique et de chimie de Paris. Et là, les étudiants ne m'ont parlé que de cela. Alors, je me suis dit, il faut que je réponde. Et je me suis fendu d'un article, j'ai demandé au Monde, j'ai pu faire une réponse. Et puis, ensuite, j'ai oublié, parce que je ne trouvais pas que c'était extrêmement passionnant. Et puis, quelques années après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient à la fois extrêmement écoutés et assez reconnus, et qui parlaient effectivement de ça. Alors, je vais en citer deux. Vous vous souvenez tous, hein, certainement, hein, de Stephen Hopkins, de regretter Stephen Hopkins, un immense scientifique, mais qui en même temps avait une crainte de l'intelligence artificielle. Assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'il devait sa survie, surtout la possibilité de communiquer avec le reste du monde, à des technologies qui étaient faites avec des techniques d'intelligence artificielle. Et pourtant, vous voyez, il nous disait... l'intelligence artificielle pourrait être le pire événement dans l'histoire de notre civilisation. Et puis, un autre personnage extrêmement connu, hein, Elon Musk, hein, qui disait, alors ces deux coupures de journaux hein, datent de 2017, oui, c'est relativement récent, hein, mais ils ont commencé en 2013, 2014, 2015. Et donc Elon Musk dit hein, qu'il veut nous avertir du danger de l'IA et il nous dit hein, c'est une menace pire que la Corée du Nord. Alors, bon, c'est un tout petit peu cocasse, bien sûr, hein, mais ce qu'il nous explique, hein, c'est que hein, c'est un risque fondamental pour l'existence de la civilisation humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que je vais essayer de préciser ici. Et pour ça, il me semble important de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, et puis ensuite, hein, quel est son rôle dans le monde contemporain, hein, et puis ensuite, à quoi correspondent ces différentes inquiétudes. Hein. Donc voilà le plan que j'ai adopté. Hein. On vous a dit que j'étais professeur. Alors, en général, j'essaye de structurer mes cours. Il semble que c'est mieux pour apprendre. Donc d'abord, je vais rappeler d'où vient l'intelligence artificielle. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, mais l'expérience m'a montré hein, ces dernières années, en particulier au moment où Axelle Lemaire, hein, la ministre, la secrétaire d'État au numérique, pardon, hein, a lancé la stratégie intelligence artificielle dans laquelle j'étais impliqué, puis ensuite le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, que beaucoup de collègues avaient des définitions un tout petit peu fluctuantes de l'intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'il est important vraiment de rappeler l'histoire de la discipline hein, et éventuellement d'essayer de comprendre d'où vient le malentendu sur le terme d'intelligence artificielle. Et donc, c'est ce que je vais faire dans une première partie. Je voudrais rappeler aussi l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, en donnant quelques exemples d'applications dans différents domaines. Et puis ensuite, je parlerai de ce que j'appelle l'IA-apocalypse. C'est la contraction de l'IA à l'intelligence artificielle et de l'apocalypse. Ce sont ces déclarations absolument enflammées. Je rappelle que vous savez qu'apocalypse, ça veut dire révélation, étymologiquement. Donc, ce sont des gens qui nous révèlent ce que va être le futur. Et c'est de ça, bien sûr, dont je voudrais vous parler tout de suite. Et puis, je vous montrerai un peu quels sont les arguments, assez rapidement d'ailleurs, ce qui a fait l'objet de mon livre, le mythe de la singularité. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut réfuter un peu ces arguments. Je dirai un tout petit peu vite, mais je crois que ça vous donnera un peu une idée quand même des faiblesses de ces arguments. Et puis enfin, je conclurai sur les peurs et les dangers. Et je crois qu'il ne faut pas confondre l'un et l'autre, mais on conclura là-dessus. Alors, première chose, donc, naissance de l'intelligence artificielle. Alors, avant que le terme d'intelligence artificielle naisse, l'idée que l'on puisse essayer fabriquer une machine qui pense a germé dans la tête d'un certain nombre de gens. Et c'est une idée ancienne. Alors, je vais citer peut-être une des premières tentatives. C'est un philosophe dont certainement vous avez tous entendu parler. En plus, je l'ai cité tout à l'heure, ce philosophe. Pour les informaticiens, il joue un rôle très central. C'est Leibniz. Alors, pourquoi Leibniz joue un rôle central? Peut-être, vous le savez-vous, il pensait que dans la nature, tout se faisait par calcul. Vous savez ce que c'est, un calcul? C'est, pour ceux qui l'ont éprouvé douloureusement, un calcul, c'est un caillou.
Un caillou, par exemple, un calcul rénal, c'est un caillou dans le rein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des calculs? Ça veut dire manipuler des jetons. Et de façon symbolique, ça peut être manipuler un certain nombre d'expressions. Et donc, ce qu'il dit, c'est la pensée se réduit à un calcul. Alors, c'est une hypothèse. Non seulement tout dans la nature ne se fait pas à un calcul, mais en particulier la pensée se réduit à un calcul. Alors, c'est une hypothèse forte, bien sûr. Tous les philosophes ne sont pas d'accord avec ça. Et je crois qu'il est important, en France en particulier, de citer un autre philosophe qui, justement, tout en étant mathématicien, pensait que la pensée ne se réduisait pas à un calcul. Alors, vous le connaissez, ce philosophe, Blaise Pascal. Et vous savez que Blaise Pascal, à la fois, il est extrêmement fort, et il fabrique une machine à calculer, mais il la fabrique justement pour montrer qu'il y a des choses qui se réduisent à un calcul, c'est ce qu'il appelle l'esprit de géométrie, et des choses qui échappent au calcul, c'est l'esprit de finesse. Donc, vous voyez que c'était une position philosophique forte, celle de Leibniz. Et puis, une deuxième hypothèse, c'est que les machines sont capables de faire tous les calculs. Alors là encore, bon, aujourd'hui ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple que cela. Et bien sûr, la conjonction de ces deux hypothèses, si la pensée se réduit à un calcul, et si les machines exécutent les calculs, donc les machines sont capables de penser. Bien sûr, c'est une hypothèse qui a été mise par Leibniz. Il essayait de faire fabriquer une machine qui soit capable de penser. Il n'y est pas arrivé. Il a fait les plans, mais il n'est jamais arrivé au bout. Quelques années, enfin, même bien plus tard, au début du 19e siècle, c'est que, vous savez de quand date le concept d'ordinateur ? Alors, je rappelle, du début du 19e, de quelqu'un qui s'appelait Charles Babbage, qui était un économiste. Et il crée une première machine qui fait des multiplications, et puis il imagine une deuxième machine, et il se ruine pour essayer de la fabriquer. Fait que c'était peut-être pas un très bon économiste. Mais enfin, peu importe. En tout cas, il n'arrive pas à la fabriquer. Mais on a les plans et on l'a fabriqué avec ces plans. Et c'est effectivement l'idée d'ordinateur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait une assistante. Peut-être que vous en avez entendu parler de son assistante. C'était Ada Lovelace Byron, la fille du grand poète Byron. Et cette jeune femme était fascinée par Babbage. Elle va traduire, alors c'est une histoire incroyable, parce que Babbage expose les principes sur lesquels repose sa machine, je ne sais où, et un officier italien qui s'appelle Luigi Manabrea écoute cet exposé, et à l'époque c'était un piémontais, il va rédiger un mémoire, et il le rédige en français. Et ensuite, Ada va traduire cet essai du français à l'anglais. Et Babbage trouve que c'est fort bien, et il l'encourage à poursuivre ses travaux. Et à ce moment-là, elle commence à imaginer des programmes pour cette machine. Ce qui fait d'ailleurs, mais c'est une petite parenthèse, nous nous plaignons souvent qu'il n'y a pas assez de femmes en informatique. Et je trouve effectivement que c'est dommage. Mais on pourrait dire que c'est un exemple. La première programmeuse, mais je dirais le premier programmeur, en tout cas la première personne qui programme, est une femme, et c'est effectivement Ada Lovelace. Et donc, non seulement elle imagine les programmes, mais surtout, et c'est pour ça que je la mentionne ici, elle a très tôt l'intuition que les ordinateurs ne vont pas se limiter à faire des calculs mathématiques, mais qu'ils pourront traiter aussi des textes et de la musique. Vous imaginez bien sûr qu'en étant la fille de Byron, c'était une question qui devait la hanter. Alors, je vais poursuivre, je vais donner juste quelques exemples. Un autre exemple, c'est un économiste anglais, toujours, mais un peu plus tard, quelques années plus tard, je crois que c'est en 1865, il s'appelle Stanley Givens, et il utilise l'algèbre de Boole. Alors, pour ceux qui ont fait des petites études d'informatique, vous savez ce que c'est l'algèbre de Boole, ça réduit la logique à un calcul, mais il utilise l'algèbre de Boole pour essayer de modéliser les raisonnements. Il construit un piano mécanique qui va faire de la simulation des raisonnements. Vous voyez, on est presque à l'intelligence artificielle. Et puis, on va aller plus loin. Ici, c'est Alan Turing, que vous reconnaissez certainement. Et il écrit en 1947, puis ensuite en 1950, deux articles où il se demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire penser pour une machine. Le terme d'intelligence artificielle n'est jamais prononcé. Et pourtant, il y a des réflexions sur cette notion. Alors, quand est-ce qu'il va être prononcé la première fois ? Eh bien, il va être prononcé en 1950 par deux jeunes gens qui ont 28 ans à l'époque et qui se font parrainer par deux chercheurs plus confirmés
et ils veulent concevoir plutôt une discipline scientifique. Alors j'ai donné ici une photo de la plaque commémorative de la première réunion où le terme d'intelligence artificielle fut prononcé. Alors, je vous ai dit 55, bien sûr, parce qu'ils ont rédigé un projet en 1955 qu'ils ont soumis à la fondation Rockefeller pour obtenir un financement. Et en 1956, ils organisent une école d'été. Alors, une école d'été un peu différente de celle qu'on organise aujourd'hui, puisque c'était dans le laboratoire de John McCarthy et des chercheurs venaient, pendant cette période d'été, poursuivre des recherches avec lui sur les premières tentatives de ce qu'il appelle l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais qu'est-ce que c'est cette discipline scientifique ? Ils disent, vous voyez, c'est une discipline de recherche qui se fonde sur la base d'une conjecture. J'insiste là-dessus, parce que vous savez qu'en mathématiques, une conjecture, c'est une proposition qui a toujours été vérifiée, mais qui n'est pas démontrée. Et là, vous voyez, une conjecture, ça vous définit un horizon de tâche. Un peu en physique, vous avez l'analogue avec Galilée qui dit « La nature s'écrit en langage mathématique ». Alors, est-ce que c'est vrai ? On n'en sait rien, on ne l'a pas prouvé. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est extrêmement féconde et qui a toujours cours aujourd'hui. Bien, c'est quelque chose du même ordre. Vous voyez, ça définit un horizon de tâche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conjecture ? Cette conjecture, c'est que tous les aspects de l'apprentissage ou toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décrites de façon plus précise, si précise qu'une machine peut être construite pour les simuler. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est la décomposition de l'intelligence en facultés cognitives, en fonctions cognitives, que ensuite on va pouvoir essayer de simuler sur une machine. Et donc il y a un caractère empirique, pragmatique. On va essayer de comparer ce que font les hommes et ce que font les machines. Par exemple, on va faire une machine qui démontre des théorèmes, et puis ensuite, on va comparer la façon dont des élèves démontrent les théorèmes avec la façon dont la machine démontre les théorèmes. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, ça n'est pas une discipline qui part d'une définition de l'intelligence. Au contraire, ça part de notre ignorance, de notre quête de compréhension de ce qu'est l'intelligence, et donc ça explore l'intelligence. C'est pour ça, au début, d'ailleurs, que j'ai fait de l'intelligence artificielle, parce que c'était pour moi un grand mystère, ce qu'était l'intelligence. Alors ensuite, bien sûr, il y a des applications de l'intelligence artificielle dans énormément de domaines, et c'est ça qui fait le succès de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que une fois que ces fonctions cognitives sont simulées, ces simulations elles-mêmes vont pouvoir avoir des applications pratiques importantes. Alors pour vous donner une idée plus précise de ce que sont ces fonctions cognitives, j'ai pris une décomposition classique en sciences cognitives en 5 groupes de fonctions cognitives. Alors, je vous les donne ici, ça va vous donner une idée. Alors, les 3 premières, ça correspond à ce qu'on appelle un agent, c'est-à-dire une entité autonome qui peut se mouvoir, agir dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle va avoir des capteurs. Ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Mais ces capteurs donnent des informations, et à partir de ces informations, il va falloir les interpréter, leur donner sens, les agréger. C'est parce que si vous avez des yeux, par exemple, on sait que l'œil est un appareil photo de piètre qualité. L'image que ça produit est désastreuse. Mais en fait, votre œil, il bouge tout le temps et le cerveau intègre tout. Et bien, c'est ça, bien sûr, qu'on va essayer de modéliser. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, la perception. Donc ça, c'est le premier aspect. La perception, ça fait passer des flux d'informations à ce qu'on appelle, toujours en termes psychologiques, une représentation. Une représentation, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est présenter les choses en leur absence, c'est-à-dire la mémoire. Et donc, la deuxième classe de fonctions cognitives, c'est la simulation de la mémoire, l'organisation des connaissances. Bien sûr, ça, ça fait l'objet de tout un tas de travaux. Comment est-ce qu'on va essayer de se rappeler ? On ne sait pas, nous, par exemple, comment les connaissances sont organisées. Il y a des psychologues qui ont essayé de faire un certain nombre, d'émettre un certain nombre d'hypothèses, mais c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, deuxième chose, donc, comment fonctionne la mémoire ? Et puis, de façon consécutive, comment on va exploiter l'information qui est dans la mémoire. Ça, c'est l'apprentissage. Et donc, tout ça, ça relève de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce que c'est que la pensée ? Et la pensée, pour des philosophes, par exemple, comme Leibniz, c'est un calcul sur des représentations, c'est-à-dire une manipulation des représentations qui va permettre de dériver de nouvelles informations. Et bien, ça aussi, ça relève de l'intelligence artificielle. Alors, je vous ai dit, ces 3 premières classes de fonctions correspondent à un agent isolé. Mais bien sûr, les agents communiquent entre eux. Et donc, vous allez avoir une quatrième classe de fonctions. Ce sont les échanges entre agents, ce qu'on appelle les fonctions expressives.
hein, communicative. C'est-à-dire que, par exemple, si un homme veut communiquer avec un robot, ben, il faut que le robot soit capable de comprendre le langage naturel ou éventuellement de comprendre nos gestes. Et de façon symétrique, il faut que le robot puisse exprimer des choses que nous comprenons. Donc ça peut être du langage, ça peut être éventuellement hein, des corrélats de l'émotion. C'est-à-dire que le robot n'éprouve pas d'émotion, mais il peut manifester un certain nombre d'informations à travers, par exemple, un mouvement des yeux, etc. Hein, donc ça, ça relève de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, dernière chose, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Hein, c'est-à-dire que si vous avez votre agent, il est dans le monde, et donc il va falloir qu'il ben, puisse mettre en œuvre, par exemple, si c'est un robot, vous voyez, c'est un robot, il y a de l'intelligence artificielle, c'est l'agent, c'est l'abstraction, et puis ensuite, bien sûr, il va les mettre en œuvre dans le corps du robot. Donc voilà un peu hein, une espèce de panorama d'ensemble qui vous montre l'étendue de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est important parce qu'on a tendance aujourd'hui à réduire l'intelligence artificielle à un seul aspect, qui est l'apprentissage machine. Alors, ça joue un rôle très important, parce que ça s'est utilisé dans les simulations des autres fonctions, hein, mais ça n'est pas du tout hein, le seul aspect de l'intelligence artificielle. Alors, maintenant que j'ai expliqué ce qu'était l'intelligence artificielle, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Dire l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui a transformé le monde. Et j'ai la prétention de croire... Vous allez me dire, c'est normal, c'est votre discipline. Mais j'ai la prétention de croire que c'est la discipline scientifique qui a le plus changé le monde dans les 63 dernières années. Alors, je vais donner un exemple, et puis j'en donnerai d'autres après. Mais le premier, c'est le web. Vous connaissez tous le web. Et alors, est-ce que vous savez que le web, j'imagine que vous utilisez tous le web, est-ce que vous savez que le web, c'est de l'intelligence artificielle ? Je vais essayer d'expliquer plus précisément les choses. Vous savez que le web, hein, qui a été inventé à Genève, vous le savez, en Europe, hein, par, j'allais dire, un Européen. Enfin, il est encore européen, au moins jusqu'à la fin du mois, peut-être un peu plus longtemps. C'était un Anglais. Enfin, c'est un Anglais, d'ailleurs. Hein, il vit toujours. Mais, donc, le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, ce qu'on appelle l'Internet, hein, le réseau des réseaux, hein, avec un modèle de mémoire, oui, la mémoire, c'est une fonction cognitive, un modèle de mémoire fait en 1965 avec des techniques d'intelligence artificielle. Et ce modèle de mémoire, ça s'appelle l'hypertexte, d'où le protocole du web HTTP, hein, Hypertext Transfer Protocol, ou le langage d'écriture des pages web HTML. Donc, c'est important parce que vous voyez que l'importance, hein, on peut dire que, de ce point de vue-là, la plupart des gens dans notre pays font de l'intelligence artificielle sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Vous voyez, hein, je crois que c'est important d'insister là-dessus. Et puis ensuite, on peut continuer. Les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle le web sémantique, hein, alors ça c'est un peu plus compliqué, je n'expliquerai pas ce que c'est, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis on va continuer. Hein, les robots, ça utilise de l'intelligence artificielle. Alors, dans les robots, il y a autre chose, hein, il y a une partie mécanique, mais il y a une partie d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez des capteurs dans un robot. Ces capteurs, l'information va être interprétée par de l'intelligence artificielle. Ensuite, vous allez avoir, après les capteurs, des raisonnements. Et puis ensuite, vous allez avoir des effecteurs mis en œuvre par des techniques d'intelligence artificielle. Éventuellement, vous allez avoir une communication avec les hommes qui vont donner leurs ordres. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez des robots virtuels, ce qu'on appelle les bots. Et là, il n'y a que de l'intelligence artificielle. Puis, on va continuer. Hein, les véhicules autonomes sont des robots, en réalité. Donc c'est de l'intelligence artificielle, les voitures autonomes. C'est essentiel. Alors vous allez me dire, non, il y a une voiture. Oui, d'accord, mais ce qui est original, c'est l'intelligence artificielle. La biométrie, hein, par exemple la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'empreintes digitales, c'est de l'intelligence artificielle. La vision artificielle, c'est de l'intelligence artificielle, bien sûr. La reconnaissance de la parole, hein, les systèmes comme Siri que vous avez sur vos téléphones portables, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle. Et plus généralement, ce qu'on appelle les e-science, c'est-à-dire les sciences qui partent d'informations pour essayer de les interpréter, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà quelques exemples pour que vous compreniez bien l'ampant de l'intelligence artificielle, les applications pratiques. Mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin, parce que lorsqu'on prononce le terme intelligence artificielle dans le grand public, il y a souvent un malentendu qui se fait jour, parce que les gens qui n'ont pas une connaissance historique du terme nous disent « Oui, mais intelligence artificielle, ça veut dire que c'est artificiel, c'est fait de main d'homme, c'est intelligent,
Donc, c'est quelque chose qui a une autonomie. Et donc, tout d'un coup, ils prennent peur parce qu'ils se disent, ce sont des apprentis sorciers, ces gens. Dans leur laboratoire, ils sont en train de faire des choses terrifiantes. Alors, c'est un malentendu, je crois. Et il y a une confusion, en réalité, entre l'intelligence artificielle et des vieux mythes. Par exemple, le mythe de Pygmalion, vous connaissez, c'est ce sculpteur qui fabrique une statue dont il tombe amoureux et qui va s'animer. Alors, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ça ressemble, on va voir tout à l'heure des exemples. On nous parle de statues qui s'animent, mais en réalité, c'est de l'ordre de la mythologie. Ou le golem, vous savez, c'est une statue d'argile. Alors déjà, dans les religions mosaïques, c'est important parce que Dieu a fait l'homme avec de l'argile. Donc statue d'argile, quand on lui passe un message derrière les dents, elle s'anime. Alors, est-ce que c'est la même chose que l'intelligence artificielle? Ou le robot? Le robot ici, vous voyez, c'est la pièce de théâtre dans laquelle le terme a été inventé. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Alors, justement, je crois que c'est important d'insister là-dessus. Le but de l'intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de décomposer l'intelligence en facultés cognitives qui seront chacune simulées par une machine. Donc, vous voyez, ça part de l'intelligence et ensuite, ça l'étudie de façon analytique. Tandis que, dans ces différents mythes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait la synthèse d'une intelligence de façon un peu mystérieuse. Donc vous voyez que ça n'a absolument aucun rapport. C'est un malentendu qui fait que l'on assimile l'un à l'autre. Alors, bien sûr, ces mythes ont une prégnance extrêmement forte dans le cœur de l'homme, parce qu'il y a l'idée que la perfection de l'homme va permettre d'aller jusqu'à fabriquer des choses extraordinaires et qui vont ensuite peut-être, une œuvre de l'homme qui va se retourner contre l'homme. Et il y a cette idée, une espèce de transgression, c'est-à-dire qu'on se met à la place de Dieu et la créature devient créateur, d'une certaine façon. Alors, bien sûr, ce sont des questions métaphysiques, mais ça n'a rien à voir avec la réalité de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais maintenant dire qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donner quelques exemples. Alors voilà, ici, vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a eu cet épisode mémorable d'une machine, 3 ans même maintenant, d'une machine qui l'a emporté sur le meilleur joueur au monde au jeu de Go. Ça, c'est un des résultats de l'intelligence artificielle. Je vais donner un autre exemple. Ici, vous avez des systèmes qui font de la reconnaissance faciale. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des exemples d'images et on donne les noms des gens. Et là, par exemple, vous voyez, il y a un système de Google qui utilise 200 millions d'images avec plusieurs images par personne, plusieurs dizaines d'images par personne, de 8 millions d'identités différentes. Et il reconnaît une nouvelle photo avec un taux de succès de 99,63%. Et c'est impressionnant. Je vous assure, moi, j'ai eu pas mal d'étudiants dans ma carrière, beaucoup moins de 8 millions, et je ne les reconnais pas tous. Donc, les machines sont bien meilleures. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu vieilli quelquefois, mais peu importe. Un autre exemple, ici, des photos de grains de beauté faites avec un téléphone portable. Et vous voyez, ce sont des photos qui sont annotées par un médecin. Et ensuite, on les fait... On les donne à une machine qui va apprendre à partir de ça à discriminer, à distinguer un grain de beauté bénin d'un grain de beauté malin. Et on compare les résultats de la machine à ceux de 21 dermatologues et on voit qu'elle est toujours meilleure. Et ça vous donne des idées très concrètes de ce que l'on fait. Alors là, je vais donner d'autres exemples pour bien montrer qu'il n'y a pas que cet aspect-là. Dans mon laboratoire, on travaille sur des données hétérogènes. En particulier, il y a un examen médical qui s'appelle la polysomnographie, destiné à repérer une maladie du sommeil, ce qu'on appelle les syndromes d'apnée du sommeil. Et pour ça, on transforme les gens en cyborgs, on leur met des électroencéphalogrammes, des canules dans le nez, des capteurs sur la poitrine, des capteurs sur le doigt, des capteurs sur les jambes. On espère qu'ils dorment. Et en général, ils dorment un peu. Et après, le matin, il y a 3 médecins qui essayent de faire la synthèse de toutes ces informations. Et on essaye de simuler ça avec des machines, ce qu'on appelle la fusion symbolique d'informations. Donc voilà un peu le genre de choses qu'on voudrait faire pour essayer, bien sûr, de faire du diagnostic de ces maladies du sommeil à la place des médecins. Puis on va continuer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'industrie. Vous savez qu'on dit qu'il y a eu 3 révolutions industrielles. La première, c'est la révolution de l'énergie,
Ensuite, c'est la révolution de l'électricité, on va décomposer l'État, c'est le taylorisme. Ensuite, dans les années 70, c'est l'automatisation avec les ateliers flexibles. Ben, aujourd'hui, on dit qu'il y a une quatrième révolution industrielle. Alors, comme c'est l'ère du point zéro, hein, on l'a appelée industrie 4.0. Alors, à quoi ça tient? Ça tient au fait que le coût des capteurs diminue considérablement. Et donc, on va pouvoir en mettre partout. Et ensuite, on va avoir des informations qui vont être générées par ces capteurs, et ces informations vont être interprétées par des techniques d'intelligence artificielle. Alors, je donne un exemple. Dans un supermarché, on va bientôt avoir des capteurs qui feront qu'en temps réel, on sera capable de savoir quel est le stock. Et donc, à partir de ça, automatiquement, on pourra faire la commande. Et ensuite, l'entreprise de logistique, elle saura, avec des capteurs, qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces entrepôts? Et là, automatiquement, elle va savoir où est-ce qu'on peut se fournir. Et puis les camions eux-mêmes, ils auront des capteurs et elles sauront où sont les camions et qu'est-ce qu'ils auront comme place disponible. Et à ce moment-là, elle pourra établir les plans. Ben voilà un exemple de cette transformation majeure qui sont liées à l'intelligence artificielle. On va continuer. Un autre exemple, c'est dans le domaine de ce qu'on appelle les fintech, les technologies financières. Dans le domaine de la banque, par exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle à la fois pour calculer le risque des placements, ça paraît évident, mais aussi, par exemple, lorsque vous allez dans votre agence, c'est-à-dire vous y allez de moins en moins dans votre agence, vous envoyez des messages, et bien justement, les techniques d'intelligence artificielle vont permettre de traiter automatiquement les messages, en tout cas de les classer d'abord, et puis éventuellement de préparer une réponse, et ensuite, elles n'entendront que la signature, éventuellement la personnalisation du chargé de compte. Puis de même, on peut avoir des systèmes de recherche d'informations, puisque la législation est de plus en plus complexe, avec de l'intelligence artificielle. Alors, dans le domaine des assurances, c'est encore plus spectaculaire, parce qu'on peut essayer de cibler le risque de façon très précise avec des techniques d'intelligence artificielle. Et donc, peut-être que bientôt, vous ne paierez plus pour les chauffards, ce qui est pas mal. Ça peut avoir quand même des petits défauts, parce que ça dépend, bien sûr, comment est-ce qu'on calcule le risque. Alors, une mathématicienne américaine a vu qu'il y avait des compagnies d'assurance aux États-Unis, ils vont toujours plus vite là-bas, qui avaient essayé d'adapter les primes, et puis elle a vu qu'avec leur système d'intelligence artificielle, ils avaient trouvé un extrêmement bon critère pour distinguer les gens qui avaient des risques importants d'accidents de voiture. Je vais vous le donner, c'est le code postal. Alors, ça déroute un peu, parce que, bien sûr, c'est très injuste, c'est discriminatoire. Je ne sais pas, c'est peut-être discriminant, mais c'est surtout discriminatoire, bien sûr. Et ce qu'elle explique, c'est que, pour l'assurance, c'était très bien, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est deux choses. C'est de savoir si les gens ont des risques d'accident, mais c'est aussi de savoir si les gens ont des chances de comparer leur assurance avec d'autres assurances. Il y a des quartiers où les gens ont moins l'habitude de le faire. Voilà. Alors c'est pour vous montrer, vous voyez, quelques-uns des aspects un peu négatifs, un peu sombres de l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais je crois que c'est de ça, effectivement, dont il faut parler. Et puis, bien sûr, je le dis ici, mais vous voyez, dans les assurances, il y a aussi le fait qu'il y a des nouveaux objets assurés. Alors, on va continuer ce tour d'horizon très rapide des applications de l'intelligence artificielle. Alors là, on va aller beaucoup plus loin. Aux États-Unis, vous avez une société qui s'appelle Calico, California Life Company. Alors, ce sont des chercheurs, comme vous le voyez ici, qui viennent de différents domaines, vous voyez, de la médecine, de la conception de médicaments, la biologie moléculaire, de la génétique, etc. Et à partir de toutes ces données, en utilisant l'intelligence artificielle, ils veulent essayer de cibler les gènes responsables du vieillissement. Et là, ils se disent, c'est simple, on va corriger l'homme et on ne vieillira plus. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voyez, on commence à glisser vers quelque chose d'un peu étrange. Alors, je vais donner un autre exemple d'étrangeté. On a parlé tout à l'heure de Galatée, la statue de Pygmalion. Mais là, vous vous souvenez peut-être, cette andréide, on dit en français, un vieux terme qui avait été introduit par Villiers-l'Isle-Adam pour désigner une femme robot, une femme qui imite un homme, c'est une andréide. Donc, cette andréide qui a été présentée à l'Assemblée générale de l'ONU et qui a tenu un discours. Et on nous dit, ça, c'est formidable ce que fait l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez, il m'importe, en tant que scientifique, de vous avertir. C'est une escroquerie. Alors, c'est une double escroquerie. La première escroquerie, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle.
réalité, il y a de la mécatronique, c'est-à-dire des techniques qui permettent de simuler le mouvement des muscles du visage pour donner un côté réaliste à cette statue. C'est très bien fait, mais ça n'est pas de l'intelligence artificielle. Mais en revanche, le discours qu'elle a prononcé est enregistré. Et d'ailleurs, c'est un discours très convenu. Ça n'est pas de l'intelligence artificielle. Puis la deuxième escroquerie, c'est qu'on nous dit qu'elle a acquis la citoyenneté saoudienne. Alors on se dit, ah ouais, c'est formidable. Mais il faut réfléchir quand même à ce que ça veut dire. En France, la citoyenneté, c'est quelque chose de grave. On est dans une démocratie. Être citoyen, c'est d'abord voter, c'est-à-dire émettre un vœu, étymologiquement. C'est-à-dire avoir une volonté. Donc, qu'une machine ait une volonté, ça nous fait frémir. Mais en Arabie Saoudite, être citoyen, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi ? Ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Une monarchie absolue. Être citoyen, c'est en fait faire allégeance, faire acte d'allégeance au souverain. Et là, bien sûr, c'est tout à fait naturel qu'un robot fasse acte d'allégeance. D'ailleurs, il n'est capable que de cela. Et donc, vous voyez, ce sont des malentendus qui sont extrêmement importants. Alors maintenant, je vais aller un peu plus loin et parler, effectivement, de l'apocalypse, c'est-à-dire de ces gens qui nous disent, voilà, demain, l'intelligence artificielle va nous permettre de rester jeunes éternellement, ou éventuellement, on va faire des machines qui auront une certaine volonté. Alors pour ça, bien sûr, on va voir qu'il y a une confusion entre la science et la fiction. Autrement dit, entre le logos, le discours raisonné, d'un côté, et le mythos. Et le logos tout seul est quelque chose d'essentiel, l'imaginaire est quelque chose d'essentiel, et vous voyez, j'en sais quelque chose, parce que j'ai écrit un roman. Mais la confusion des deux me semble être extrêmement dommageable. Et c'est de ça dont je voudrais parler maintenant. Alors, je vais parler, bien sûr, d'abord d'un film de science-fiction que vous avez peut-être vu, Ex Machina, qui nous explique que tout d'un coup, une machine va s'animer avec une spiritualité. Donc, c'est tout à fait stimulant pour l'imagination. Mais ce qui me gêne beaucoup plus, c'est qu'un certain nombre de scientifiques extrêmement connus nous ont déclaré, il y a quelques années, et continuent à le faire, que l'intelligence artificielle est dangereuse. Je cite ici cette tribune qui a été écrite dans le Télégraphe, signée par 4 scientifiques, par Stephen Hawking d'abord, que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi par Franz Wilczek, qui est la personne qui est en bas ici, qui est un prix Nobel de physique, et puis par Stuart Russell, qui est là-bas. Alors, ce qu'ils disent ici, c'est que tandis que l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de ceux qui la contrôlent, l'impact à long terme dépend de la possibilité même de pouvoir contrôler l'intelligence artificielle. Autrement dit, ils nous disent, attention, l'intelligence artificielle va s'animer d'une vie autonome qui ne va plus dépendre de nous, qui ne dépendra plus que d'elle. Est-ce que nous pourrions réellement nous inquiéter de cela ? Et bien c'est ça que je vais essayer d'analyser, d'abord en donnant quelques exemples des prétentions de ce type-là. Et vous voyez que c'est assez courant. Alors, vous voyez, j'ai mentionné donc d'autres personnes. Ici, vous avez Bill Gates qui s'inquiète aussi, ou vous avez Elon Musk qui s'inquiète, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, vous avez différentes théories que je vais essayer, pas toutes de présenter, mais. Et l'une de ces théories, c'est ce qu'on appelle la théorie de la singularité technologique. Alors, tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est une singularité. C'est, en termes mathématiques, c'est un point critique dans une fonction mathématique. Par exemple, ici, vous avez la fonction que vous avez tous vue certainement à l'école, au lycée, la fonction qui a x associé 1 sur x au voisinage de 0. Elle a des petites bizarreries. C'est-à-dire qu'avant, c'est moins l'infini, après, c'est plus l'infini. Et sur 0, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et bien, c'est une singularité. Alors ensuite, il y a eu beaucoup de travaux sur les singularités, et en particulier en France, nous avons un mathématicien qui s'appelait René Thom, dans les années 70, qui a travaillé sur une branche de la théorie des singularités qu'il a appelée la théorie des catastrophes. Et là, il présente des singularités de la dérivée ou de la dérivée seconde, qui donnent des comportements assez étranges. Par exemple, les points de rebroussement, ce que vous avez ici en bas, ou la fronce, ou les queues d'aronde, ou les caustiques. Tout ça, ce sont des singularités. C'est très intéressant. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la technologie. Alors, les gens qui nous parlent de la singularité
Ah oui, c'est une singularité, pardon, c'est au féminin. Les gens qui nous parlent de la singularité, eh bien, ils vont étendre ça. Et en particulier, c'est le cas de ce monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui au départ est un ingénieur, qui a réalisé d'ailleurs une machine qui fait de la reconnaissance optique de caractère, qui a obtenu la médaille de la technologie, qui est la plus haute distinction aux États-Unis dans ce genre, des mains du président Clinton, et qui donc explique qu'il va y avoir une singularité avec un majuscule. Alors pourquoi une majuscule ? Un majuscule, c'est un nom propre, ça veut dire que ça n'arrivera qu'une seule fois, il y en a une seule. Alors, sur quoi est-ce qu'il se fonde ? Alors, il se fonde sur l'idée, voilà, ici, que l'intelligence de l'homme, c'est un Américain, il est optimiste, elle augmente. Elle est en vert. Mais le problème, et là, c'est en rouge, c'est que l'intelligence de la machine, selon lui, augmente, mais bien plus vite. Et elle augmente de façon exponentielle. Et il justifie cela à partir d'une loi que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, qu'on appelle la loi de Moore, qui nous dit que la puissance des machines s'accroît de façon exponentielle, c'est-à-dire double à intervalles réguliers. Et il dit, ben, si ça se produit, ben, alors lui, il calcule, il dit, ben, ça va se produire en 2045. Et là, il dit, ben, avant, il y a toujours les hommes qui dominent les machines, mais après, les machines seront plus intelligentes que nous. Donc, elles vont nous dominer. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario qui nous dit ben, l'homme va disparaître. Et puis, il y a un autre scénario qui nous dit ben, peut-être qu'on va s'hybrider sur les machines. Alors, je vais essayer de vous décrire un tout petit peu ces différents scénarios. Alors, il n'est pas le seul. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui a écrit des ouvrages extrêmement célèbres. C'est ce qu'on appelle la pop science aux États-Unis. Ça n'existe pas trop en France. C'est science populaire. Et c'est un historien et qui est très talentueux, d'ailleurs. Il se lit avec beaucoup de plaisir, du moins le début du livre, où il raconte, il explique au début que l'homme, dans la nature, est soumis aux éléments et qu'il est démuni. C'est la première grande période de l'histoire humaine. Et puis, il dit ça pour essayer d'expliquer, de se comporter, il va inventer des dieux, dont il suppose que c'est eux qui manipulent les forces de la nature. Puis il dit, après, l'homme commence à rationaliser, et là, il commence à devenir maître des éléments, et là, à ce moment-là, il est seul, sans Dieu. Et donc, il va dire, l'être suprême, c'est plus le Dieu, c'est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain, de façon générale. Il dit, ça, c'est la deuxième période, c'est l'humanisme. Et puis, il dit, aujourd'hui, on est dans une situation un peu étrange, parce que vous avez des machines qui sont capables d'obtenir des performances meilleures que les hommes. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une machine qui fait du diagnostic de grains de beauté mieux que des médecins. Alors il dit, peut-être que bientôt, avec l'apprentissage, toutes les machines se comporteront mieux que nous. Et à ce moment-là, on dira aux médecins, écoutez, il vaut mieux pas que vous preniez des décisions, parce que les machines vont être plus efficaces que nous. Et ça, il dit, c'est la même chose en politique. Et c'est la même chose en neurosciences, les machines vont nous anticiper. Donc il dit, ce qu'il va falloir faire, c'est faire confiance aux machines. Alors il dit, c'est une troisième étape. Alors, comme cette intelligence artificielle, selon lui, se fonde sur l'apprentissage machine, sur les données, c'est comme ça qu'elle se perfectionne, il dit, c'est le règne des données. Il appelle ça le dataïsme, qu'il ne faut pas confondre avec le dadaïsme. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Il dit, c'est la fin de l'humanisme, le dépassement de l'homme par les machines. Et il pense qu'il va falloir se résigner à cela. Est-ce que d'après vous, c'est le cas ? C'est ce qu'on va voir. Alors, juste, je voudrais continuer. Vous vous souvenez, Elon Musk. Donc, il est très inquiet de la puissance des machines, mais il est très généreux et il veut nous aider. Alors, pour ça, il s'est dit, il existe des dispositifs qui permettent de modifier notre mémoire, éventuellement de la corriger. C'est ce qu'on appelle les implants cérébraux. Alors on sait que ça soigne un certain nombre de maladies. Par exemple, en France, nous avons le docteur Louis Salim Benhabib, qui soigne un certain nombre de maladies, de troubles, disons, consécutifs au Parkinson, avec ces implants et ce qu'on appelle la stimulation électrique profonde. Il se dit, peut-être qu'on pourrait essayer de généraliser ça
et d'introduire des disques durs dans le cerveau. Et pour ça, il a monté une entreprise qu'il appelle Neuralink, c'est-à-dire le lien entre le cerveau et l'électronique. Il s'inspire un peu d'ailleurs de la science-fiction, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et il dit, on va dans un premier temps développer des implants cérébraux, et dans un deuxième temps, il dit, on va rajouter des disques durs. Et il dit, c'est comme ça, on va augmenter la capacité cognitive des hommes pour leur permettre de rivaliser avec les machines. Et selon lui, c'est une question très simple. C'est juste une question de bande passante et de vitesse de connexion. Et donc, on va devenir des surhommes. Ce qui est formidable parce que vous vous souvenez quand même de toutes ces années que vous avez passées à apprendre l'étape de multiplication, les déclinaisons latines, les verbes irréguliers anglais. Tout ça, c'est quand même très pénible. Mais la bonne nouvelle pour nos enfants, c'est qu'ils n'auront plus à faire cet effort de mémoire. La mauvaise nouvelle, c'est que même si nous surpassons les machines, l'homme qui possède les clés de ses disques durs pourra nous mettre ce qu'il veut dans la tête. Donc ce sera la pire dictature qui n'a jamais existé. Heureusement, la nature a bien fait les choses. Et effectivement, ça n'est pas si simple que cela. Alors pourquoi ce n'est pas si simple? Je vais le dire très très rapidement. Parce que la mémoire, pour les psychologues, ce sont trois opérations. D'une part, ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire passer des choses qu'on veut mémoriser dans une formulation abstraite. Ensuite, c'est le stockage. Le stockage qui n'est d'ailleurs pas neutre, parce qu'il y a des consolidations dans le stockage, etc. Et ensuite, l'accès à l'information. Or, bien sûr, pour être capable d'encoder, il faut savoir quel est le codage. Pour passer de ce qui se passe dans le cerveau à un disque dur, il faudrait savoir comment les choses sont codées. On ne sait pas comment les choses sont codées dans le cerveau. Deuxième chose, ça laisse entendre qu'il y a un seul type de mémoire. Or, on sait très bien que dans le cerveau, il y a énormément de mémoires différentes. Vous avez une mémoire consciente, une mémoire inconsciente, une mémoire procédurale. Vous avez vu, je suis arrivé par exemple en roue. Alors certains d'entre vous me diront, ouais, vous aviez drôlement l'équilibre. Non, j'ai appris. J'ai appris et ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans le cervelet que ça se loge. Et bien ça, bien sûr, ça veut dire qu'il faudrait mettre des puces partout. Enfin, ce serait quand même très, 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 très difficile. Donc ce n'est pas aussi simple que ce qu'il imagine. Alors qui plus est, l'accès est encore plus compliqué. Donc tout ça, dès qu'on connaît un peu de neurosciences, alors moi je ne suis pas spécialiste de neurosciences, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, j'ai financé la recherche en sciences cognitives, et donc j'ai beaucoup discuté avec des scientifiques de ce domaine-là, et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune chance pour l'instant que Elon Musk réussisse son deuxième pari. Mais attention, c'est un mode de financement de la science particulier. C'est-à-dire qu'il est en train de récolter des fonds parce qu'il fait rêver des gens et il est en train, bien sûr, de développer le premier étage de sa fusée qui, lui, bien sûr, a des chances de réaliser, c'est-à-dire faire des progrès considérables dans les implants cérébraux qui peuvent, effectivement, avoir du succès. Alors, je vais aller plus loin. Je vous ai dit, Ray Kurzweil, il nous explique que la singularité va arriver. Alors lui, il pense que cette singularité va nous permettre de télécharger notre conscience, qu'on appelle le mind uploading, sur une machine. Et là, ce serait formidable, parce que vous pouvez jeter le corps et vous continuez à vivre. Alors, ça vous fait rire, mais le problème, c'est que si ça arrive, vous allez être des âmes errante. Alors, il y a un milliardaire russe qui a une solution. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que les ingénieurs ont des solutions. Alors, surtout les hommes d'affaires ont des solutions. Et donc, il a inventé un site qu'il appelle 2045.com, parce que ça se produira en 2045. Vous pouvez y aller. Et là, vous cliquez, il y a un bouton d'immortalité. Et vous commencez à cliquer et vous fabriquez votre avatar immortel. Vous allez me dire, c'est dans longtemps, oui, mais c'est pour l'éternité, il faudrait commencer tout de suite. Et en plus, c'est pas très cher. Alors, oui, toutes les fantaisies, ici, il y a quelqu'un qui a imaginé, puisqu'on va devenir immortel, une religion du futur. Ils appellent ça The Way of the Future, qui est liée à l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer de montrer que les arguments qui sont allégués par les tenants de ces fables incroyables
à mon sens, ne sont pas tenables. Il y a deux arguments, et c'est ce que j'ai développé dans le livre que j'ai écrit, Le mythe de la singularité. Ces deux arguments, je crois, qui sont importants. Le premier, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est l'accélération exponentielle de la puissance des machines qui font qu'elles deviendront plus intelligentes que nous. Et là, bon, bien sûr, on peut se dire qu'il n'est pas sûr que ça continue. Et d'autre part, quand bien même ça continuerait, l'intelligence, ce n'est pas juste une fréquence de calcul. Et puis, deuxième chose, l'apprentissage des machines, le fait qu'elles sont capables d'acquérir de la connaissance de façon automatique. Mais en réalité, ces techniques d'apprentissage machine sont très limitées. C'est un apprentissage particulier qu'on appelle supervisé. Oui, comme dans les grains de beauté, je disais, il y a des grains de beauté. Puis le médecin a dit quel type de cancer, enfin, qu'est-ce qu'il y avait. Et bien sûr, il y a plein d'autres formes d'apprentissage. Et en particulier, il y a le fait que lorsqu'on apprend, à un moment donné, oui, il y a des changements. C'est-à-dire que notre conceptualisation évolue. De même, l'histoire des sciences, il y a ce qu'on appelle les changements de paradigme. Or ça, la machine n'est pas du tout capable de faire cela. Donc il y a des limites intrinsèques à ce que fait la machine. Et puis dernier point, je crois que c'est important, c'est que ce qui est bizarre, vous n'avez pas vu, c'est que Ray Kurzweil, employé par Google, Elon Musk, vous voyez que ce qui est quand même étonnant, ou Bill Gates, ce sont les gens qui fabriquent l'intelligence artificielle qui nous expliquent qu'elle est dangereuse. Alors moi j'appelle ça des pompiers pyromanes. C'est-à-dire, c'est quand même un peu étrange. Et donc, je crois qu'il faut se méfier. Et c'est justement ce que je voudrais montrer dans la fin, peur et danger. C'est que, voilà, mon hypothèse, c'est en réalité que ces grands acteurs qui ont eu des capitalisations boursières extrêmement rapides sont en réalité aujourd'hui mus par une motivation politique. Ils veulent rivaliser avec les États. Ils veulent substituer... à la puissance des États, une nouvelle puissance. Et donc, ils veulent assumer un certain nombre de fonctions, d'attributs de la souveraineté à la place des États. Alors, on voit que ça commence à se faire. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de... Hop, pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été trop vite. Dans le domaine... Excusez-moi. Dans le domaine de la justice, il y a des gens qui veulent faire de la justice prédictive. Où il y a des gens qui veulent faire des sites qui vont permettre de faire de la législation participative. Ou dans le domaine de la finance, il y a des gens qui veulent battre monnaie, comme le Bitcoin. Ou dans le domaine de la sécurité intérieure, il y a des gens qui font de la reconnaissance faciale. Ils la font mieux que l'État, parce qu'ils ont plus de photos. L'État, il a juste une photo d'identité de très mauvaise qualité. Est-ce qu'ils ont toutes les photos ? Parce que vous les donnez, les photos, sur les réseaux sociaux. Alors, pendant longtemps, je m'étais dit, il y a d'autres choses. Les réseaux sociaux, par exemple, ils en connaissent plus sur vous que les États. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le formulaire ESTA, je ne sais pas si vous l'avez rempli quand vous allez aux États-Unis, ils vous demandent sur quels réseaux sociaux vous êtes actif. Oui, tout ça, c'est un tout petit peu troublant. Alors, pendant longtemps, je m'étais dit, oui, mais le domaine militaire, c'est quand même réservé, parce qu'on imagine mal des chars Google. Mais parce que je n'avais pas compris... Et c'est quelqu'un de Nancy, c'est-à-dire l'agence de la sécurité intérieure, qui m'a expliqué. Je n'avais pas compris que, en fait, aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus air-terre-mer. C'est air-terre-mer-éther, c'est-à-dire sur le cyberespace. Et sur les terres, effectivement, ces grandes puissances, non seulement s'équipent avec des armes défensives, mais aussi, elles souhaitent avoir des armes offensives pour faire des attaques, mettre en danger d'autres acteurs et éventuellement des États. Donc vous voyez qu'on est dans une situation nouvelle. Et moi, ce que je crois, c'est que ces grandes peurs que l'on nous lance, comme celle de la singularité, en réalité, ne sont pas fondées. Et elles servent à nous obscurcir, nous aveugler, pour ne pas voir les vrais dangers. Donc ça, c'est un danger. Puis vous avez d'autres dangers. Par exemple, les interférences avec les institutions démocratiques. Vous avez vu Facebook qui vend ses données à Cambridge Analytica. Oui, qui ensuite les utilisent pour faire du criblage de citoyens américains et ensuite diffuser des fausses nouvelles pour interférer avec la démocratie américaine. Ou alors, ce qu'on appelle les deepfakes avec de l'intelligence artificielle, le fait qu'on est capable de prendre des images, les images d'un homme politique, lui faire prononcer des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Ou même prendre le visage d'une femme et l'incruster dans une vidéo et... laisser entendre qu'elle était dans une scène pornographique, dans une vidéo pornographique. Donc vous voyez, c'est toutes ces transformations du monde
Et il y en aurait bien sûr beaucoup d'autres hein, qui correspondent à la réalité du contemporain et où l'intelligence joue un rôle important. Donc vous voyez que le danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle autonome, ce n'est pas la machine qui prend son essor, non. Ce sont les hommes qui sont derrière les machines. Alors pour conclure, et après on échangera, on peut dire que la singularité technologique, c'est un peu comme la religion. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une nouvelle religion. C'est un peu comme l'opium des peuples. Ça endort les gens. Bien sûr, c'est le risque. Parce qu'on ne voit qu'une chose qui nous fait peur ou qui nous fait rêver. Devenir immortel, quand même. Mais, en chance, on ne voit pas les dangers. Et donc, comment faire pour que la peur ne masque pas les dangers? Donc, voici presque ma conclusion. C'est ma conclusion. Mais j'aurais une post-conclusion. Et là, je suis désolé, c'est une confession. Je me suis trompé. La singularité technologique est advenue. Et bon, on vous l'a dit tout à l'heure, comble de malheur, c'est maman, ma propre mère, qui s'est téléchargée et qui s'est réincarnée dans un robot sexuel. Et ce sont tous mes malheurs que je raconte là. Merci. Bon, j'espère que votre mère n'était pas comme votre héroïne dans votre livre. Merci, merci pour cette excellente conférence qui nous a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Juste un mot, je voulais qu'on en parle tout de suite, justement de cette chronique éthique, la dernière que vous avez signée, et qui a à voir avec cette, comment, ce rapport. Oui, c'est un rapport qui a été rédigé par ce que l'on appelle hein, les groupes d'experts de haut niveau. C'est High Level Expert Group on Artificial Intelligence. Il y a 52 personnes hein, avec beaucoup d'industriels hein, venant d'horizons différents et qui, bien sûr, ont essayé d'avoir une réflexion sur les questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Donc tout ça est bien sûr très louable parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de conséquences d'utilisation de l'intelligence artificielle qui peuvent effectivement être un peu problématiques, dangereuses. Mais, bien sûr, la lecture de ce rapport m'a laissé un tout petit peu désemparé. Donc, la première version du rapport est sortie en décembre. Et c'est de cette version que ma chronique parle. Il doit y avoir une deuxième version du rapport que je n'ai pas encore eue, qui doit sortir en mars. Donc, maintenant, en fonction des réactions des différentes personnes. Mais ce qui me gêne dans ce rapport, c'est que... d'une part, on essaye de transposer les règles de la bioéthique à l'intelligence artificielle. Or, il me semble que les contextes sont très différents. Et en particulier, les recommandations de la bioéthique se fondent sur cinq grands principes. D'une part, c'est ce qu'on appelle en anglais c'est le fait qu'il faut que ce soit bénéfique. Oui. Pas malfaisant. Voilà, pas malfaisant. Et la deuxième, c'est que ce soit pas malfaisant. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est très gênant parce que dans l'intelligence artificielle, est-ce que les réseaux sociaux, c'est bienfaisant ? On n'en sait rien. Est-ce que c'est malfaisant ? Oui, c'est difficile parce que les choses sont beaucoup plus complexes. Ce n'est pas la même chose qu'un médicament. Un médicament, oui, c'est le compromis entre le coût et le bénéfice, le risque et le bénéfice. Là, est-ce que c'est approprié ? Je ne crois pas. Et puis ensuite, on parle d'autonomie. Et là encore, il me semble que ce n'est pas tout à fait approprié. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup plus gêné, c'est qu'on explique dans ce rapport qu'il faut adopter une approche résolument centrée sur l'homme. Mm-hmm. Human-centric approach. Or, ça veut dire quoi ? Alors, au début, vous dites, ah ouais, oui, il faut bien sûr mettre l'homme au centre. Puis après, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre l'homme au centre ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait autre chose ? Ça veut dire qu'en creux, on vous laisse entendre qu'il pourrait y avoir peut-être une approche où la machine serait autonome. Or, ça, c'est absurde, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Et je crois que ce rapport, justement, de ce point de vue-là, n'explore pas les réalités. Les réalités, j'ai essayé d'en donner quelques exemples, et il ne les décrit pas. Ce sont des éléments très concrets qui correspondent au problème. J'ai parlé des deepfakes, j'ai parlé de ces problèmes de nouvelles qui sont disséminées, qui sont dangereuses, d'interférences avec la vie politique. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, oui, il y a un an et demi, un laboratoire de psychologie sociale de l'université de Stanford publie un article très étrange où ils disent eh ben, on va utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour essayer de déterminer l'orientation sexuelle à partir du faciès.
vous dites quand même c'est bizarre. Alors, ils ont pris des photos de gens dans un site de rencontre qui déclarent leur orientation sexuelle. Et à partir de ça, ils font l'apprentissage supervisé. Et ils disent, voyez, il y a une corrélation. Et alors, ensuite, ils justifient. Moi, j'étais très choqué. Et ensuite, ils justifient ça. Alors là, c'est étonnant, la justification qu'ils donnent, parce qu'ils sont, bien sûr, très méticuleux. Hein. Ils disent, oui, mais peut-être qu'il y a une incidence du taux d'hormones du fœtus dans le ventre de la mère et de l'orientation sexuelle. Et donc, effectivement, ce sont les femmes et les mères qui sont responsables, vous voyez. Bon, et indépendamment de ça, je dis ça en riant, bien sûr. Hein. Mais c'est quand même très troublant. Alors, la chose la plus étrange, c'est que lorsque cet article a paru, il était écrit sur la couverture qu'il avait reçu l'approbation du comité d'éthique de l'université de Stanford. Et donc, vous voyez que je pense que les vrais dangers sont là. Vous voyez, ce sont des utilisations prédatrices de l'intelligence artificielle. Hein, de même, vous voyez, dans le domaine de la justice, hein, aux États-Unis, on utilise l'intelligence artificielle pour établir la peine en fonction de la probabilité de récidive. Hein, et ça, bien sûr, ça peut être tout à fait problématique, d'autant plus que, d'abord, ça nie la liberté de l'individu, sa capacité rédemptrice, hein, c'est la nature même de la peine qui est discutée. Hein, et en plus, les critères qui sont utilisés pour déterminer cette probabilité de récidive sont eux-mêmes discutables. Et en plus, c'est une prophétie autoréalisatrice, puisque on va donner des peines plus importantes à des gens qui, bien sûr, puisqu'ils auront eu des peines plus importantes, auront plus de difficultés à s'insérer, et donc plus de chances de récidiver. Donc, vous voyez, il y a toutes ces applications d'intelligence artificielle qui me semblent extrêmement dommageables pour la société elle-même. Il faut comprendre, je crois, sur ces questions d'éthique, que l'intelligence artificielle, c'est pas la machine qui devient autonome. Le danger n'est pas là. Le danger, c'est que le tissu social, c'est-à-dire les relations entre les hommes, sont en train de se transformer avec le numérique. Et l'intelligence artificielle, à ce moment-là, joue un rôle. Par exemple, l'amitié se transforme avec les réseaux sociaux. Ou la réputation se transforme avec le calcul des scores en Chine, par exemple. Le score de réputation qui se fonde sur toutes les petites infractions que vous faites. Et donc, bien sûr, tout ça, ça peut avoir des conséquences dramatiques, je crois, sur la société. Je crois qu'il faut, dès à présent, dans la mesure du possible, comprendre ce que c'est et décider que l'on veut faire autrement. Et on peut toujours faire autrement. Merci. Alors, vous avez des questions. Donc, on va venir vous donner le micro. Gaël, c'est Gaël ? Oui, Gaël, tu donnes le micro, monsieur. Puis Simon, tu te positionnes auprès de quelqu'un qui attend le micro. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre conférence éclairante. Et j'ai une question concernant le rôle de la France. Après le rapport Villani, on a débloqué quelques fonds d'investissement dans le domaine, parce que la France était en retard. C'est dans les environs de 500 millions d'euros à terme de quelques années. L'Allemagne, c'est à peu près dans ces eaux-là, un petit peu plus. Au niveau européen, on voit qu'on est en retard. Aux États-Unis, le MIT et Berkeley, ils ont investi 1 milliard. Ces deux universités, plus un peu moins que deux États réunis. Et au moment où il y a eu cette annonce-là, il y a eu une comparaison avec les chiffres qui sont investis dans Facebook et dans Google. Et ces universités sont loin derrière. Comment vous voyez l'évolution de ces points de vue, parce que c'est là où il y a le danger, c'est la propriété des données, c'est les algorithmes, c'est la situation des monopoles dans lesquels les GAFAM sont impliqués. Et comment vous voyez, et quelle est la stratégie de la France dans les domaines, vous qui êtes au CNRS? Alors, malheureusement, je ne suis pas du tout responsable de la stratégie de la France, mais je dois dire, je partage avec vous cette inquiétude pour la France, mais pour l'Europe en général. C'est-à-dire qu'il y a une situation paradoxale, dans la mesure où on est certainement le continent le plus riche, où il y a beaucoup de gens qui utilisent les technologies de l'information, et en même temps, on est des nains. Du point de vue de ces grandes industries. Et pourtant, ça n'est pas faute de créativité. Il y a énormément de mathématiciens, énormément d'ingénieurs. Il y a beaucoup de start-up, d'ailleurs, de jeunes pousses, donc beaucoup d'inventivité aussi. Mais malheureusement, on n'arrive pas à agréger ces entreprises pour en faire des grands acteurs. Et le problème que vous venez de mentionner là, et vous avez tout à fait raison, c'est que
le moteur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, c'est la masse énorme de données, hein, parce que c'est à partir de celle-ci qu'on est capable d'apprendre. D'ailleurs, la renaissance de l'intelligence artificielle, qui est liée hein, à l'apprentissage sur des très grandes masses de données, est en réalité une conséquence des besoins de ces grands acteurs de l'Internet, puisqu'ils avaient la nécessité de récupérer tout un tas de miettes d'informations, à la fois pour détecter les rumeurs, pour essayer d'y répondre extrêmement vite, et d'autre part, parce que leur modèle économique se construisait sur ce qu'on appelle la publicité ciblée, c'est-à-dire sur le fait qu'ils étaient capables de profiler les utilisateurs pour leur donner ce qu'ils voulaient. Et à ce moment-là, ils pouvaient avoir des taux de retour sur la publicité beaucoup plus élevés et donc faire payer la publicité beaucoup, beaucoup plus cher. Donc malheureusement, bien sûr, ces grands acteurs ne sont pas européens. Il y a des acteurs chinois, parce que c'est un marché fermé. Hein, il y a peut-être des acteurs russes, hein, encore que ce soit peut-être plus délicat. Il y a beaucoup d'acteurs américains qui ont le monde entier, en tout cas le monde occidental entier, et il n'y a pas d'acteurs européens. Et malheureusement, bien sûr, la communauté européenne, hein, qui a financé abondamment la recherche, ne permet pas à ces acteurs de se mettre en place. Et pire que cela, elle est pénétrée par des lobbies de grands opérateurs de l'Internet qui font qu'il y a une politique extrêmement difficile à mettre en œuvre de ce point de vue-là. Donc j'espère qu'on changera, j'espère que le mode de financement de la recherche par l'Europe et par les États va changer, parce que c'est bien de ça dont il est question, et qu'il y aura un jour une vraie stratégie cohérente au plan international en Europe, parce que c'est à la taille de l'Europe, bien sûr, qu'il faut être capable de faire les choses. Hein. Un pays tout seul a du mal, parce que vous voyez, c'est une taille de marché qui importe. Mmh. Hein, une taille de marché, hein, vous voyez, de 300 millions de personnes, c'est important, parce que la même que les États-Unis. Hein, mais bien sûr, une taille de 60 millions d'individus, c'est trop faible. Hein, et c'est bien ça la difficulté à laquelle nous nous trouvons confrontés aujourd'hui. Et puis, vous espérez aussi, dans cette chronique, que l'on gagne... En tout cas, que l'on contribue à gagner la bataille morale, l'Europe. Oui, enfin, je le dis un peu en me moquant, parce que, justement... parce que, bon, ce qui est quand même désespérant en Europe, hein, c'est que vous avez des financements institutionnels hein, qui datent de 85, hein, donc ça fait très très longtemps, hein, et l'industrie européenne n'est pas extrêmement brillante. Vous voyez, par exemple, hein, regardez les téléphones portables, hein, ça débute au milieu des années 90, hein, la grande vague des téléphones portables, et nous avions des opérateurs à l'époque. Oui. Hein, et comment ça se fait que maintenant, il n'y a plus aucun opérateur européen, ou en tout cas, il y en a bien sûr, mais qui ne sont pas très très forts, or qu'à l'époque, hein, Nokia hein, ou Alcatel étaient des opérateurs centraux. Donc vous voyez, ça, c'est un tout petit peu troublant. Alors, monsieur. Bonsoir. Question. Déjà, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport un petit peu aux trois lois de la robotique évoquées par Isaac Asimov dans ses romans. Donc, ça rejoint un petit peu l'intelligence artificielle et l'aspect robot. Est-ce que ça peut être quelque chose qui va être possible dans le futur, ou c'est plutôt une réfutation à la singularité technologique ? Alors, non, c'est pas une réfutation à la singularité technologique. Nous faisons des machines qui peuvent être un peu imprévisibles. Et donc... Surtout si elles utilisent de l'apprentissage, puisqu'elles vont être capables d'optimiser un certain nombre de critères, mais peut-être aller dans leur action à l'encontre d'un certain nombre de prescriptions morales. Et donc, l'idée qu'un certain nombre de gens nourrissent aujourd'hui, c'est de pouvoir encoder ces prescriptions à l'intérieur des machines pour superviser le comportement hein, de ces robots. Alors, moi-même, j'ai travaillé sur le sujet, justement, hein, et c'est très intéressant parce que ce sont des logiques un peu étranges, parce que vous voyez, les lois de la robotique d'Asimov posent un problème, parce que ce sont des lois, si vous les regardez, qui sont des lois qui s'enchaînent. Vous voyez, hein, et bien sûr, on aimerait, en éthique, avoir comme ça des lois par défaut. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une loi générale qui vous dit qu'il ne faut pas mentir. Vous êtes tous d'accord. Et puis, il y a un philosophe français qui s'appelait Benjamin Constant, après la Révolution, il dit, qu'est-ce qui se passe si vous donnez l'hospitalité à quelqu'un chez vous, et il y a des gens qui viennent, vous savez que ce sont des criminels, ils vous demandent, où est cette personne? Vous leur dites? Non. Donc vous êtes un menteur. Alors il dit, bon, ben, en réalité, c'est parce que je ne dois pas mentir, sauf hein, si c'est quelqu'un qui ne mérite pas de recevoir la vérité. Alors, ça fait l'objet de tout un tas de débats, hein, mais c'est la même chose, vous voyez, dans les lois de la robotique. Hein, hein, je ne dois pas atteindre un humain, sauf si, etc. Et ben, c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre avec des logiques nouvelles. Et effectivement, dans mon équipe, je travaille sur ce genre de choses.
Une autre question ? Oui, on revient vers vous. Il y a quelqu'un. On va redescendre vers vous après. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Pareil, je tenais à vous remercier pour avoir un message vraiment optimiste par rapport à l'intelligence artificielle, parce que c'est, enfin, en tout cas en France, en Europe je ne sais pas, mais en tout cas en France, ça m'apparaît extrêmement rare. Je voulais vous demander, c'est un sujet que vous avez un petit peu abordé, mais pour moi, le plus grand danger contre l'intelligence artificielle, finalement, c'est l'opinion du public, en particulier par un thème, la littérature et le cinéma de science-fiction. C'est-à-dire, ça a commencé avec Kubrick, avec 2001, l'Odyssée de l'espace, et ça continue depuis 50 ans. Depuis 50 ans, la quasi-totalité des œuvres de science-fiction, cinéma et série aujourd'hui, je pense à Black Mirror en particulier, mais nous dépeint des mondes d'intelligence artificielle absolument horribles qui vont tout détruire, la planète, les animaux, s'il restait des dinosaures, tout, absolument tout, quoi. Est-ce que c'est pas le plus grand, d'après vous, est-ce que le plus grand danger pour empêcher le développement de l'IA serait un petit peu cette industrie hollywoodienne? Je crois, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des peurs qui sont irrationnelles, hein, et que, bien sûr, toute cette littérature véhicule. Alors, ces peurs, disons, dans l'ordre de l'art, dans l'ordre de l'imaginaire, elles sont tout à fait intéressantes puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, elles rejoignent des mythes très anciens avec quelque chose qui est moderne. Donc, de ce point de vue-là, il ne s'agirait pas de mettre en cause cette littérature de science-fiction ou ces films de science-fiction. Mais je crois qu'il faut aussi que dans nos pays, il y ait une idée du progrès et du futur. Je crois que le problème qu'on a, et c'est particulièrement vrai en France, mais je crois que c'est plus généralement vrai en Europe, c'est qu'on a une crainte vis-à-vis de ce qui va se produire. Et ça nous empêche de voir que le futur ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel tombait sur la tête des Gaulois. C'est nous qui forgeons le futur, mais on le forge avec nos désirs. Et je crois que ce qui importerait dans les années qui viennent, en particulier en France, c'est qu'il y ait un désir d'avenir, qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec technologie. Moi, je pense qu'on peut faire énormément de choses et qu'elles ne sont pas simplement négatives. Par exemple, on nous explique, attention, c'est dangereux, il ne va plus y avoir de travail, etc. Bon, par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de travail, ça ne repose sur rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que l'intelligence artificielle va conduire au chômage. Le mythe du robot que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est effectivement, dès le départ, un mythe qui fait que l'homme va être remplacé par la machine et qu'il ne va plus travailler, il va perdre en dignité ce que gagne la machine en dignité. Mais c'est de l'ordre de la mythologie. La réalité est beaucoup plus compliquée. Il y a des tâches qui seront automatisées, il y a des métiers qui sont monotâches, mais il y en a très peu. La plupart des métiers, c'est une pluralité de tâches, et donc il faut adapter les gens qui exercent ces métiers à ces automatismes pour qu'ils puissent continuer à travailler. Et pour ça, il faut former les gens. Donc je crois qu'il faudrait qu'il y ait un grand enthousiasme, ce serait beaucoup plus important, qui se dit, ben voilà, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des dangers, mais en même temps, il faut regarder l'avenir tel qu'il est et pas mettre la tête dans le sable. Et je crains que ce soit un peu trop ça, effectivement, en France. Monsieur, ici. Merci bien. En fait, je ne sais pas trop comment formuler ma question. C'était partir du principe que, en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se base surtout sur un maximum de données qu'on a déjà, etc. Mais, par exemple, des exemples très concrets par rapport aux visages, etc., ou même aux langues, etc., qui évoluent. Les humains, comment font évoluer la langue ? Parce qu'on s'adapte, etc. Mais, en fait, aujourd'hui, est-ce que, techniquement, la machine le comportement de la machine peut évoluer aussi en s'adaptant dans son propre univers à ses prochaines évolutions, etc. Alors, vous en parlez beaucoup. Oui, non, c'est très intéressant parce que vous posez une question fondamentale. Je dis, l'intelligence artificielle, ça sert à modéliser nos fonctions cognitives. Et d'un côté, on modélise beaucoup de choses, mais en même temps, on les modélise d'une façon différente de la façon dont nous faisons. Par exemple, aujourd'hui, on a des machines qui apprennent, elles apprennent très bien, mais elles apprennent avec énormément d'exemples. Alors, elles sont capables d'apprendre des choses qu'on a du mal à apprendre. Par exemple, à reconnaître un visage parmi 8 millions. Et ça, c'est formidable. Mais en même temps, elles n'apprennent pas du tout de la même façon qu'un enfant.
Et par exemple, si on veut faire une machine qui distingue des chats des chiens, on va mettre énormément de chats, énormément de chiens. Mon enfant, vous lui mettez trois chats, trois chiens, il a tout de suite compris. Donc c'est pas du tout. Donc c'est un peu le paradoxe. Et c'est la même chose sur les joueurs d'échecs. Lorsqu'on a en 96 une machine qui l'a emportée sur le champion du monde d'échecs, on s'est rendu compte qu'elle ne jouait pas du tout de la même façon que les hommes. Alors bon, elle battait les meilleurs, mais en même temps elle les battait de façon différente. Alors on peut dire c'est un succès de l'intelligence artificielle, en même temps on peut dire c'est un échec, c'est le cas de le dire, de l'intelligence artificielle aux échecs, puisque elle le fait d'une façon différente de la façon dont les hommes procèdent. Puis d'abord, oui, elle était même pas contente alors. Voilà, en plus. En plus. Mais vous savez que sur cette affaire-là, donc elle a gagné en 1996 et 5 ans plus tard. Bon, les gens voulaient faire un grand spectacle. Alors, ils ont dit, on va essayer de changer les choses, on va faire une nouvelle machine qui va jouer sur un échiquier à 3 dimensions, c'est superbe, et on va essayer de troubler la machine. Alors, ils ont fait ouvrir le premier coup par la plus belle femme, Miss New York, Cathy Horn. Et bien, ça n'a pas marché. La machine n'a pas été. Mais... Une question là-haut à la mezzanine. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. J'ai une petite question, en fait. J'avais vu un article durant lequel ils avaient opposé deux intelligences artificielles, c'est-à-dire de compréhension orale, communiquées l'une envers l'autre. Et au bout de quelques temps, quelques heures, ils sont parvenus à créer un langage qu'on ne comprenait plus. Est-ce que c'est possible de fournir des variables à des intelligences artificielles et qu'ils puissent comprendre des choses que même l'esprit humain ne peut pas comprendre maintenant ? Oui. C'est effectivement un article qui... a été écrit dans un laboratoire de Google en plus, donc c'était un peu, et c'est vraiment pour épater les gens. Je me souviens que Jacques Attali avait fait une chronique là-dessus, mais il n'avait pas très bien compris. En réalité, il y avait 3 réseaux de neurones et il y en avait 2 qui s'échangeaient des messages avec une clé commune, et le 3e essayait de décrypter ce qui s'échangeait. Et bien sûr, le 3e n'y arrivait pas, mais c'est un problème classique de cryptographie, puisqu'ils avaient une clé commune, donc ils inventaient la fonction de superposition avec la clé, ce qui était nouveau, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors à partir de ça, bien sûr, on pouvait extrapoler énormément sur le fait que tout d'un coup, les machines s'échangeaient des secrets auxquels personne ne pouvait avoir accès. Mais c'est plus de l'ordre de la mise en scène que de quelque chose de très sérieux. Oui. Après, André. Bonsoir. Allez-y. Vous avez parlé, en fait, des dangers. Et on a pu parler après, pendant l'occasion. Il y a maintenant des entreprises qui ont un immense data, qui ont un immense pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il faut agir et comment, à l'échelle des États, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ces dangers ils seront traités plutôt ? Alors, c'est une question... extrêmement délicate aujourd'hui parce que vous avez affaire à des acteurs qui vont avoir des puissances financières qui sont, si ce n'est supérieures à celles de certains États, du moins qui sont extrêmement fortes. Il faut regarder les capitalisations boursières qu'ont pu réaliser des entreprises comme Google et Facebook sont immenses et en plus elles échappent aux impôts. Et donc elles sont terriblement puissantes. Elles sont très, de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Parce que vous voyez, pendant longtemps, le capitalisme était toujours lié à des États. Au fond, l'industrie était un peu le bras de ces États. Et les États avaient une emprise sur l'industrie. Et donc, je crois qu'on arrive dans un monde différent. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je ne vais peut-être pas la développer parce que ce serait un tout petit peu long. Mais je crois qu'on arrive. On était dans une société où on pouvait avoir des États qui étaient totalitaires, c'est-à-dire qui avaient une emprise extrêmement forte sur les individus. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le problème. Je pense que l'État a plutôt tendance, dans les sociétés démocratiques, à nous défendre. Et puis, nous pouvons voter contre le gouvernement. En revanche, ces grands acteurs, personne ne vote pour eux. Et ils ont une puissance qui est, d'une certaine façon, supérieure. Et qui plus est, ces entités essayent... l'idéologie des directeurs, des dirigeants de ces entités, c'est une idéologie qu'on appelle libertarienne. Alors, c'est ni libéral, ni libertaire. Libertaire, c'est l'anarchisme. Mais c'est un curieux mélange des deux, où ils pensent que la propriété privée doit...
avoir un pouvoir total. Et au fond, ils veulent se désengager totalement de l'emprise des États. Et ça, bien sûr, je crois que c'est, à terme, hein, quelque chose de très dangereux. Je crois qu'on rentre, hein, pour le dire autrement, dans une forme de société féodale, hein, vous voyez, où vous allez avoir, hein, des entités qui vont se partager, hein, le pouvoir, hein, de même que, hein, les seigneurs pouvaient se partager le pouvoir, hein, sauf qu'ils vont le faire à l'échelle du monde. On a encore une question ? Ah oui, André, pardon. Excusez-moi. J'oublie la question d'André traditionnelle chaque mardi soir. André. Oui, on voit beaucoup de reportages dans lesquels on aperçoit au Japon, par exemple, beaucoup d'humanoïdes qui remplacent les journalistes dans les salons d'accueil, etc. Et il est envisagé, je crois, de remplacer certains professeurs par des robots humanoïdes qui enseigneraient aux élèves pour soulager les professeurs. Parce que étant plus intelligent ou avoir plus de données à enseigner, ça soulagerait le professeur. Mais qu'en est-il vraiment de l'enseignement qui serait vraiment orienté par le logiciel qui serait derrière ce robot humanoïde, quoi ? Alors, ça pose beaucoup de questions. L'enseignement est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il faut non seulement avoir des connaissances, mais l'essentiel, c'est de savoir quelles sont les difficultés que rencontrent les élèves. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le diagnostic cognitif. Et en intelligence artificielle, c'est la plus grande difficulté. C'est-à-dire que si vous avez un élève qui fait une erreur, il faut savoir d'où cette erreur vient. Est-ce qu'elle vient de ce qu'il n'a pas appris les leçons, ou est-ce qu'il n'a vraiment pas assimilé les bases et à ce moment-là, il faut lui refaire faire des choses élémentaires. Ou au contraire, il s'ennuie et donc il est distrait. Ben ça, hein, aujourd'hui, on n'est pas capable, on a énormément de difficultés à faire ce type de diagnostic. Et puis, dans beaucoup de métiers, on se rend compte, hein, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez une tâche particulière qui peut être automatisé. Mais en revanche, l'ensemble du métier, souvent non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le métier. Alors, moi, pour essayer de comprendre cette évolution du train, voyez, j'avais pris une décomposition qui venait d'Anna Arendt. Vous savez, c'est une philosophe dans La condition de l'homme moderne. Elle dit la vie active, hein, il y a plusieurs aspects. Alors, elle dit il y a le labeur, hein, c'est-à-dire c'est l'activité, hein, qui sert à la subsistance. Hein, il y a l'œuvre, c'est-à-dire la réalisation de l'homme dans le monde des objets. Et puis il y a l'action, c'est-à-dire la vie politique dans la cité, l'homme libre. Et on peut se dire, bon, bah, avec l'intelligence artificielle, hein, l'action politique, elle, au contraire, hein, elle se développe de plus en plus. Hein, l'œuvre, il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires, hein, pour réaliser ces machines. Donc il y a encore plus de réalisation de l'homme, hein, dans le monde des objets. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une déperdition de ce point de vue-là. En revanche, on pourrait dire qu'il y a une partie du labeur qui disparaît. Alors déjà, est-ce qu'il faut le regretter ? Moi, je n'ai pas vraiment de nostalgie du travail du laboureur ou du travail de l'OS sur la chaîne. Vous voyez, si on peut supprimer les tâches répétitives, c'est plutôt positif. Mais est-ce que le labeur va disparaître complètement ? Peut-être pas, hein, parce qu'il y a des tâches où il y a une présence humaine, hein, qui est, par exemple, celle d'une hôtesse. Hein. Moi, je prends souvent un exemple, hein, mais qui est, disons, c'est une nostalgie, bien sûr, hein, le coiffeur, pour moi. J'en ai plus beaucoup besoin. Mais c'est vrai que si on va chez le coiffeur, c'est quand même un moment de détente, un moment d'échange. Hein, et donc je ne pense pas que ça disparaisse complètement. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Je crois qu'il y a de nouveaux métiers qui vont naître. Hein. Le problème, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'équilibre, hein, entre ces métiers. Alors ensuite, est-ce que les robots humanoïdes sont très utiles ? Ça, c'est une question. Je veux dire, c'est amusant, les robots humanoïdes. Alors, est-ce que, par exemple, on va soigner les personnes âgées avec des robots humanoïdes ? Alors, les Japonais rêvent de ça. Et d'ailleurs, eux, ils aiment beaucoup les robots. Alors, ils aiment les robots pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils ont des traditions animistes. Et donc, pour eux, ça ne les dérange pas du tout de projeter une âme sur une machine. Mais surtout, ils aiment les robots parce qu'ils se disent qu'ils sont dans une société vieillissante. Il faut savoir qu'il y a très peu d'enfants au Japon et qu'ils ont peur pour l'avenir parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas travailler. Alors, vous allez me dire, c'est simple. Hein, il suffit de... Mais justement, leur problème, c'est qu'ils veulent rester entre Japonais.
Et donc, c'est pour ça qu'ils disent les robots vont nous sauver, qu'ils vont nous permettre de rester japonais. Donc, ouais, c'est, Il n'y a pas eu dans la presse dernièrement une histoire d'un hôtel qui était entièrement tenu par des robots et qui a dû fermer parce que c'est. Certainement, pas parce qu'il y a beaucoup de légendes autour. Il y a beaucoup de légendes autour des robots japonais. Hein, D'ailleurs, vous savez que c'est amusant parce que l'un des centres de recherche de Sony, c'était à Paris. Et de même, il y a une société française qui faisait des robots humanoïdes, Aldébaran Robotique, qui a été rachetée par une société japonaise. Hein, donc, vous voyez, c'est, là encore, hein, ça fait partie des légendes hein, selon laquelle hein, ils développent. Mais c'est vrai qu'ils ont une appétence plus grande pour les robots que ce que nous avons. Parce que nous, on a peur. En général, dans la rue, les gens, ils ont peur des robots. Ils disent ils vont nous prendre notre boulot. Hein, là-bas, au contraire, ils vont nous permettre de rester japonais. Voilà. Monsieur ? Et bonjour, je vous remercie de votre conférence. Moi, il me reste une dernière angoisse un petit peu par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est un petit peu en fait une intelligence artificielle qui aurait la capacité de ou créer une intelligence artificielle ou modifier son propre code. Et je voudrais étayer ça par plusieurs propos. En fait, une des choses que vous nous avez dit, c'est que c'était l'enseignement spécifique en fait pour la plupart des intelligences artificielles, sauf l'intelligence artificielle AlphaGo qui a battu la première fois un être humain. Elle a été uniquement constituée par des parties qu'elle a fait avec elle-même. A contrario de DeepMind qui avait battu AlphaGo 0, vous voulez parler d'AlphaGo 0 et AlphaGo a été meilleur que l'autre intelligence de joueur d'échecs. La deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle reconnaît déjà mieux des visages que l'être humain. Tout laisse à penser qu'elle pourra programmer mieux que l'être humain dans un futur proche. Et donc, si elle commence à fabriquer elle-même des intelligences artificielles, est-ce qu'on ne pourrait pas perdre quand même la maîtrise de ce que ça peut devenir ? Alors, moi, je vous donne le sentiment de quelqu'un qui pratique l'intelligence artificielle. Hein. Il y a à chaque fois des limites. Hein. Et soit c'est une tâche très spécialisée, hein, comme par exemple jouer au jeu de Go. Hein. Et soit, comme je le disais tout à l'heure sur l'apprentissage, il faut donner des exemples dans un champ particulier. Et donc, à la fois, on a des résultats extraordinaires, mais en même temps, on maîtrise quand même relativement bien le champ sur lequel ça travaille. De même, quand on fait un système qui va dialoguer, lorsqu'on est dans un domaine sémantique bien défini, ça peut donner des résultats à peu près corrects. Dès qu'on change, dès qu'on utilise des jeux de mots, hein, tout ce qui est de l'ordre de la poésie, tout ça échappe hein, à la machine. Et donc, je crois qu'il y a énormément de limites à la machine. Et moi, il me semble que c'est pas justement l'autonomie de la machine qu'il faut craindre. En revanche, ce qui est enthousiasmant avec les machines, hein, indépendamment de la crainte qu'on peut avoir, bien sûr, des hommes qui instrumentalisent les machines, oui. Mais ce qui est positif, c'est que hein, on peut utiliser la machine pour aller plus loin, pour mieux comprendre. Et moi, par exemple, hein, je travaille dans le champ des humanités numériques, c'est-à-dire l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour équiper les disciplines d'érudition traditionnelle et aider à mieux comprendre les œuvres humaines. Hein, on travaille avec des littéraires hein, et on essaye de voir comment hein, on va pouvoir construire de nouveaux opérateurs d'interprétation avec les outils d'intelligence artificielle. Hein, par exemple, on utilise ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire repérer des réseaux d'influence hein, entre les auteurs, et on peut le faire sur des très grands corpus, donc on peut apporter aux érudits de nouvelles grilles de lecture avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc c'est ce partenariat, je crois, qui est passionnant. Alors, je sais que vous avez encore des questions à poser, mais vous allez pouvoir les poser. On va monter à l'étage au-dessus et vous allez pouvoir discuter directement avec Jean-Gabriel Ganassia, parce que je voudrais quand même que vous alliez feuilleter ces livres aussi, qui sont absolument, je vous l'ai dit, passionnants, que ce soit les essais, les livres plus scientifiques et aussi le roman. Je vous rappelle aussi que cette conférence est enregistrée, que vous pourrez la revoir sur le site de l'Espace des sciences à partir
de demain. Et je voudrais vraiment remercier très chaleureusement, très très chaleureusement, Jean-Gabriel Ganassia qui nous a fait une conférence extrêmement claire. Et bien dans les livres, c'est aussi clair, la parole est, enfin, l'écrit est aussi fluide que la parole. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. Merci.